Music licensing reimagined. Bonjour les amis passionnés, aujourd'hui un nouvel essai, une présentation d'une magnifique Porsche. Donc, je suis avec Fabrice, son propriétaire, qui va nous présenter cette magnifique Porsche. Salut. Bonjour Fabrice. Salut. Fabrice. Donc là on est avec la magnifique Porsche. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous dire ce que c'est comme modèle? Alors c'est un Cayman 987 de 2006 avec un swap d'un moteur de 3,8 litres de GT3 dans le mis au milieu quoi en fait vu la spécificité du Cayman quoi en oui, fait d'accord. Et j'arrive à développer 440 chevaux quoi en fait d'accord. Voilà okay. Avec et celle-là, la spécificité au niveau extérieur, c'est une T-Cart alors. Ouais, c'est une T-Cart extérieure et elle est passée chez Ruf juste pour le moteur parce que en 2006, ça s'est arrêté à 400 chevaux, quoi, on va dire, ouais, le maximum. Et là, 440, quoi, en fait. D'accord. J'ai réussi à avoir avec une admission d'air déportée comme avec les écopes de la GT3. D'accord. Comme tu peux voir. Bien, okay. Et en fait, aussi, tu as pas mal d'éléments en carbone, du coup. Oui, donc tout ce qui est le béquet, ouais. L'aileron, il est énorme. Mm-hmm. J'ai fait mettre du PPF dessus. Ouais. Tu as les retours de rétroviseur. Le capot, c'est un covering, en fait. Oui. Mais ouais, ça s'harmonise super bien avec le carbone, quoi, en fait. La lame avant aussi, qui est très fragile. Je l'ai déjà fait refaire par un ami GP Sport, parce que faut des spécialistes qui retravaillent le carbone et tout. Et puis, j'avais fait des poignées de porte, en fait, d'ouverture en covering carbone. Voilà. Et du coup, au niveau des jantes, alors c'est quoi comme jantes? C'est des jantes pas d'origine ou d'origine? Non, c'est c'est toute la carrosserie, c'est du T-Cart. D'accord. Et les jantes aussi. Donc, c'est bien marqué dessus. Ouais. C'est du 20 pouces. D'accord. Et tu as du 305 25 par 20 à l'arrière. Avec des freins. Comme tu as pu voir, jaune, donc qui veulent dire en céramique. C'est les freins de la 997 Turbo. D'accord. C'est magnifique, noir et jaune. Ouais. C'est comme ça, déjà les vitrines, ou c'est toi qui as fait? Ah ouais, non, elle était comme ça. Ah, c'est comme ça. Après, moi, c'est moi qui ai fait rajouter un peu de jaune à l'intérieur pour rappeler, quoi, et que ça fasse plus harmonieux, quoi. D'accord. Et puis à l'avant, c'est pareil, c'est du 20 pouces. Mais comme tu peux voir, elle est rabaissée au maximum. Oui, j'ai vu ça quand j'étais devant toi. Ouais. Et donc, à l'avant, tu as du 235, oui. 30 par 20, quoi. D'accord. Qui. Enfin, ouais, ça te fait une bonne. Tu as une bonne traction, quoi, on va dire. Allez, ça tient bien la route. Au niveau de la ligne d'échappement, c'est sur mesure aussi Oui, c'est du. C'est une ligne. Style IPE, quoi, on va dire. Mais c'est comment dire c'est tes cartes, hein, je pense. Enfin, c'est une ligne GD Kata Sport dessus aussi. Et ouais, ça fait le bruit d'une GT3, quoi.
vois l'admission avec le tube et tout, en alu, c'est un sacré bébé. Hein. Bah écoute Fabrice, je te remercie pour cette belle présentation. Vraiment magnifique Porsche. Et puis bah, on va continuer la vidéo. Bah, je te remercie, ouais. Et est-ce que tu as des réseaux sociaux? Oui, j'ai Instagram, c'est Fabrice le Rider. D'accord, okay. Voilà. Ça marche. Merci encore. Bah de rien.